Vous savez, il y a cette belle parole, le désert, c'est Dieu sans les hommes. Le désert, c'est Dieu sans les hommes. Qu'est-ce qui a dit ça? Ce n'est pas un cher soufi, ce n'est pas un mystique chrétien ou un ermite chrétien, c'est Balzac, l'homme de lettres, l'auteur Balzac. Pourquoi le désert? Bon, dans toutes les spiritualités, il y a cet appel du désert, et en particulier en islam et de l'islam spirituel, qu'est le soufisme. Bah, c'est simple, prenez la shahada, prenez la première formule du témoignage de foi en islam, la ilaha illallah. Ce témoignage de foi commence par une négation. Pas de divinité, pas de fausse divinité, si ce n'est Allah, si ce n'est Dieu. Donc ça commence par une approche négative de nos projections, de tout ce qu'on pourrait projeter sur le divin. Pour moi, l'intérêt de se retrouver dans le désert, c'est de pouvoir en fait se débarrasser de toutes les pensées qui sont autres que Dieu et pouvoir se rappeler de celui qui a éternellement été. Et le désert est un support, et tout en utilisant aussi une formule comme la ilaha illallah comme support pour pouvoir se débarrasser en fait de ce qui n'est pas lui et pouvoir en fait se débarrasser donc de la mémoire de ce qui n'est pas lui et de rester dans son souvenir à lui. Moi, l'intérêt que j'avais en tout cas espéré à travers ce voyage dans le désert, c'est pouvoir en fait retrouver du silence, du calme et un peu de solitude en fait dans une vie quotidienne. Voilà, dans les grandes villes urbaines, on est souvent happé par notre quotidien, nos obligations, nos contraintes, et souvent on s'oublie et on s'oublie de s'écouter, d'écouter nos besoins. Et pour moi, le désert était une manière de pouvoir retrouver un lieu en fait où le silence existe, où le silence est roi même. Et donc c'était une manière de pouvoir vraiment se recentrer. Moi par exemple, voilà, c'est mon premier séjour hors Europe au Maroc. Donc voilà, c'était vraiment quitter mon confort habituel et en fait quitter un confort qui parfois nous rend malade et aveugle des choses que la vie nous apporte. Et pour moi, ça a été vraiment un cadeau de venir ici. Et donc voilà, je retiens beaucoup, beaucoup de l'encadrement aussi. On a vraiment été bien encadrés. Les chameliers nous ont apporté aussi, en tout cas pour moi, m'ont apporté une sécurité aussi, parce que je pense que le désert, l'affronter seul, c'est autre chose. Ça peut être beaucoup plus traumatisant du coup. Et là, ça n'a pas été le cas, parce que du coup, on pouvait se reposer et se dire, voilà, quoi qu'il se passe, on n'est pas seul. Et donc pouvoir aborder ces questionnements personnels en toute sérénité, parce qu'on est vraiment très bien encadré par une équipe très chaleureuse. La retraite spirituelle dans le désert, pour moi, ça permet avant tout de se relier aux prophètes, puisque tous les prophètes sont passés par le désert. Donc faire une retraite dans le désert, ça permet vraiment de se mettre dans les conditions du prophète. Dans le désert, on est envahi par ce silence absolu qui nous renvoie directement à Dieu et qui à la grandeur de Dieu et à la puissance de Dieu, et c'est extrêmement fort. Et à l'inverse, il y a aussi l'aspect très rude du désert par les tempêtes de sable qui sont très éprouvantes physiquement, on en a partout dans les yeux, dans les affaires. Et c'est ça aussi, le désert et sa force, puisque les prophètes ont tous vécu ça. Et cette épreuve physique qui est le désert va nous permettre, nous, de nous rendre compte que bah, il n'y a pas de différence entre cette beauté, le calme absolu, et la force et l'aspect rude, rugueux et douloureux du désert. Puisque bah, tout ça, c'est Dieu. Et quand on ressent en nous que tout ça, c'est vraiment Dieu, bah, on comprend beaucoup de choses. Nous avons eu la tempête durant 3 jours à peu près. Alors c'était extrêmement décapant, il faut peut-être le redire, dans le soufisme comme dans d'autres spiritualités.
l'épreuve fait partie de la voie, c'est fondateur de la voie. Cette mise en fragilité, cette mise en déficience de notre part nous fait goûter tout simplement à quel point nous sommes bien peu de choses devant les éléments. Et ça nous a rappelé notamment ce hadith où le prophète nous dit « Allimu awladakum al-khushuna fa inna al-hadara la tadoum » Enseignez à vos enfants la vie rude parce que la civilisation ne dure pas. Quelque civilisation, quelle qu'elle soit, à l'époque abbasside, dans notre monde actuel, dans le monde riche, ou dans d'autres mondes antérieurs ou bien qui viendront peut-être. Donc c'est cette précarité que nous avons goûtée. Et je pense que c'est donc un retour à l'essentiel, à l'essence, au-delà de nos oripeaux, de nos habits, de nos coutumes, de nos repères ou bien de nos faux repères, de notre confort ou bien peut-être parfois il faut dire de notre pseudo-confort. C'est pendant une tempête, donc un moment difficile, mais on marchait pas, donc moi je me suis mise un peu à l'écart et j'ai fait du zik, de la méditation. J'étais bien protégée, j'avais un masque de ski pour pas prendre trop de sable et j'étais juste derrière un arbre et donc du coup des deux côtés il y avait beaucoup de vent qui soufflait du sable et c'était mais sublime quoi, voir le sable qui volait alors que nous on est un petit peu protégés par cet arbre mais en réalité pas tant que ça, on en prend aussi mais on s'en rend moins compte. Et de voir cette nature extrêmement puissante et se rendre compte qu'en fait, en nous, tout va bien. Enfin, la paix, elle reste là. Dieu, il reste présent. Même si l'extérieur peut paraître difficile, en réalité, tout va bien. Et ça, c'est très, très riche sur le plan spirituel. Il faut le dire, il y avait des non-musulmans qui ont participé au voyage. Donc c'est un voyage qui est ouvert aux gens qui sont en quête d'eux-mêmes. Et donc, il nous a invités à tel moment, pas toujours dans le sama, dans les chants soufis, peut-être pas toujours dans la prière, pas forcément dans l'enseignement que je prodiguais, mais peut-être au détour d'une dune de sable, en côtoyant aussi les dromadaires, qui ne sont pas des êtres et des animaux anodins. Donc, c'est, selon ma formule un petit peu, Dieu surprend toujours, et il surprend d'autant plus lorsque nous sommes hors de nos repères, lorsque nous avons accepté de quitter nos quatre murs, parce que hier que nous sommes rentrés, que nous avons vu, en marchant, nous avons vu à nouveau une maison, c'est-à-dire quatre murs. Dans le désert, tout est rond, tout est souple, parce que les dunes, ça bouge. Donc c'est cette expérience qui est toujours à la fois riche et unique, que nous renouvellerons sans doute prochainement, ou en tous les cas l'an prochain. Et nous remercions bien sûr l'équipe donc de Jean-Pierre Datchari et des Chameliers. L'imam était un des personnels, disons, de la caravane, et nous avons apprécié ses prières à l'aube sur les dunes et bien d'autres.